fait un bac pro CGEA agricole. Après, je suis parti en BTS agricole. Derrière ça, je suis parti un an et demi travailler en Roumanie sur une ferme céréalière. Je suis revenu, j'ai fait un an dans une coopérative en tant que magasinier. Et après, je suis parti m'installer sur une ferme en maraîchage. Quand j'étais à la coopérative, j'en avais marre de faire mes horaires et d'être dépendant d'un patron. Donc j'avais envie de gérer mon planning, de pouvoir offrir aux personnes de proximité une alimentation saine. C'était vraiment la volonté que j'avais. Du coup, je me suis installé, j'ai repris quelques hectares et je me suis mis en maraîchage et je distribue ça sur un réseau local. J'adore dans ce métier, c'est être à l'extérieur toute la journée, pouvoir décider de ce que je fais, de ce que je produis, de ce que je vends, de ce que j'ai envie d'avoir comme vie, comme style de vie, mais aussi comme train de vie, là où j'habite, la campagne, pas être en ville, pouvoir profiter de chaque moment que je fais, pouvoir me dire aujourd'hui j'ai envie de produire quelque chose d'autre, donc je le fais. Très satisfaisant. S'installer en agriculture, c'est pouvoir s'épanouir dans la vie, être libre, indépendant, au grand air. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça en ce moment. Être à la campagne, pouvoir respirer de l'air.